Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo assez spéciale. Donc nous sommes actuellement le jeudi 19 mai et il est 7h40 du matin. Donc ça explique ma tête et ma voix, voilà, je viens tout juste de me réveiller, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Mais bref, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous emmener avec moi durant toute une journée ici en Angleterre pour vous montrer un petit peu comment est la vie ici. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement en séjour linguistique en Angleterre à Brighton pour les 3 prochains mois. Et donc je suis là pour améliorer mon anglais. Et bien évidemment la situation dans le monde est un petit peu compliquée en ce moment, donc je sais pas encore si je vais vraiment pouvoir rester 3 mois ou quoi, mais pour le moment en tout cas je suis là et c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs en parlant de la situation dans le monde, j'espère vraiment que tout va bien pour vous, que votre famille va bien, etc. En tout cas prenez bien soin de vous. Et ici la situation est un petit peu différente que dans le reste du monde, on va dire. On est un petit peu en retard par rapport aux autres pays comme la France, étant donné que les écoles ferment seulement demain. Voilà, il a été annoncé hier qu'en Angleterre les écoles fermeraient demain. Donc on a à peu près une semaine de retard sur la France. Donc justement je voulais profiter de ces 2 derniers jours où j'ai encore cours à l'école pour vous emmener avec moi et vraiment vous montrer comment l'école est, comment c'est. Voilà, avant qu'on passe en cours en ligne, parce que je me suis dit que c'était quand même un petit peu plus intéressant de vous montrer la vraie école que juste moi qui travaille derrière mon ordinateur. Donc voilà un petit peu pour les dernières nouvelles. Donc là il est 7h40, j'ai encore beaucoup de temps avant de partir, voilà. Je pars généralement vers 8h20 de la maison pour prendre le bus. Les cours commencent à 9h, donc ça c'est vraiment chouette. Et j'ai cours jusqu'à 12h15 aujourd'hui, donc j'ai tout l'après-midi de libre, ce qui est vraiment chouette. Je vais sûrement vous emmener un petit peu avec moi dans la ville, vous montrer un petit peu le centre de Brighton, etc. Parce que c'est vraiment super joli. Alors malheureusement le temps est pas super aujourd'hui, c'est vraiment le temps typiquement anglais, le temps tout gris avec du brouillard. Et donc là grosso modo il me reste juste à aller petit déjeuner et à vite fait terminer mes devoirs parce que j'ai pas eu le temps hier soir, j'ai fini les cours à 18h donc voilà. Du coup voilà, c'est les 2 petits trucs que je vais faire avant de partir et puis sinon c'est parti pour une journée avec moi en Angleterre. Aussi un truc que je fais tous les matins depuis que je suis arrivée, étant donné que ça fait réellement qu'une semaine que je suis ici à Brighton, un truc que je fais c'est que tous les matins en fait j'ouvre une petite enveloppe que mes parents m'ont préparée, étant donné que demain c'est mon anniversaire, voilà, demain j'ai 19 ans et comme ils ne pouvaient pas être avec moi pour mon anniversaire, ils m'ont concocté en fait une enveloppe à ouvrir chaque jour jusqu'à mon anniversaire et à l'intérieur de l'enveloppe il y a un indice sur mon cadeau d'anniversaire, voilà, c'est à moi de le trouver. Et donc tous les matins généralement j'en profite pour ouvrir l'enveloppe du jour. Donc aujourd'hui on est à l'indice numéro 6, donc j'ai une petite idée de ce que ça pourrait être mais je suis vraiment pas sûre. Donc on continue d'ouvrir les indices et voilà, en tout cas c'est vraiment chouette d'avoir ces petits indices chaque matin, voilà, c'est vraiment cool pour mon anniversaire, ils ont une trop trop bonne idée. Dites-moi si vous aussi, mais je crois que je suis la seule personne sur Terre à pas savoir comment on ouvre une enveloppe, genre à chaque fois je l'ouvre comme ça là, trop bizarre. Alors, oh my god, ok celui-là il est plus compliqué, il est énorme d'indices, et genre il y a des trucs de maths, ou c'est des rébus, je sais pas, oh mon dieu. Bref, je vais essayer de résoudre ça et après je vais aller petit déjeuner. Like ivy crawling up the wall, we need to feel the sun, 'cause we've grown cold from contact lows, falling out.
out of love. And maybe I've ignored the signs. I tend to romanticize. And maybe you tried too many times to tell me you're done just getting by. No, oh, can we fall back to place? Can we find another way? And maybe honestly. She doesn't text me on the weekend. Don't wanna know what she's up to. Calm down. If I close my eyes and focus on my own mind for a while, then it doesn't matter. This love's all I remember. And if it's only for the night, then that would be alright, yeah. And when you're laying there beside him, I hope you crack a smile and think he's no competition. When you're with him, his touch, his kiss, your name on his lips, he's no competition. I'm the one you're missing. Oh, I'm the one you're missing. Oh, I'm the one. I always knew that we were different, but I never thought that we'd survive this distance. If I close my eyes and think about all of the times that we said, now that I found it, I just can't live without it. And if it's only for the night, then that would be alright, yeah. And when you're laying there beside him, I hope you crack a smile and think he's no competition. When you're with him, his touch, his kiss, your name on his lips, he's no competition. I don't know how much longer I can do this. I'm scared to death to lose you, but the truth is, when I'm alone at night and things ain't right, I need to hear you say it, don't lie. He's no competition. He's no competition when you're with him. His touch, his kiss, your name on his lips. He's no competition. I'm the one you're missing. I'm the one you're missing. A couple of drinks. I didn't show up here looking for a fight. It's been 3 weeks since you called me. I'm too hung up and I can't sleep. Or would you hear me out tonight? 'Cause I need nothing more than you. No, I need nothing more than you. To come back home. Home. To come back home. Won't you come back home? Je vous retrouve, il est donc un peu plus de 5h, je viens juste de rentrer chez moi. Donc c'était vraiment une super bonne journée aujourd'hui, donc grosso modo bah, vous l'aurez vu, j'ai eu cours ce matin et après cet après-midi j'ai traîné avec des amis, voilà, j'étais en ville, mais on a aussi été manger une gaufre pour le goûter et c'était vraiment super sympa. Et peut-être que ce soir je vais bah, rejoindre tous les autres dans un bar ou comme ça, mais c'est pas encore sûr, enfin bref, c'est juste que aujourd'hui était une super journée mais aussi un petit peu triste, voilà, parce que beaucoup de gens ont décidé de partir à cause de la situation bah, dans le monde actuel avec le virus, etc. Ils ont décidé de rentrer chez eux.
Donc voilà, pas mal de mes amis de Suisse, notamment, rentrent en Suisse avec les derniers vols qu'ils ont à disposition parce que les cours vont très certainement être en ligne à partir de la semaine prochaine. Voilà, on n'aura plus besoin d'aller à l'école, enfin on ne pourra plus aller à l'école, les cours seront en ligne et donc ils n'ont pas envie de rester pour faire des cours en ligne. Donc voilà, ils rentrent à la maison, mais c'est quand même un peu triste parce qu'on était vraiment un bon groupe. Donc voilà, je vais sûrement aller leur rendre encore une dernière fois visite ce soir au pub. Voilà, pour dire au revoir à tout le monde parce que beaucoup d'entre eux s'en vont demain, voilà, étant donné qu'ils avaient vraiment plus beaucoup de vols pour rentrer. Donc voilà, sinon le programme avant que je sorte, je vais aller à la douche, je vais vite fait faire mes devoirs. On n'a pas vraiment de devoirs aujourd'hui, il nous a pas donné de devoirs, mais j'aime bien après chaque leçon noter le vocabulaire qu'on a appris, le nouveau vocabulaire, voilà, et le traduire pour l'apprendre en fait. Et sinon après je vais avoir sûrement le dîner avec ma famille d'accueil. On va sûrement comme d'habitude discuter pendant super longtemps. Voilà, je m'entends vraiment super bien avec ma famille d'accueil, donc ça c'est super chouette. Donc voilà, donc là je pense que je vais aller à la douche, comme ça c'est fait et comme ça mes cheveux auront le temps de sécher d'ici ce soir. Voilà, et après je ferai mes devoirs gentiment.